Bonjour à tous, samedi très beau quintet sur l'hippodrome de Saint-Cloud, dimanche direction Chantilly avec un quintet. Pas dire qu'il est beau, ce sont des 3 ans sur la distance classique 2400 mètres, mais ma foi on a une ligne en béton qui fait foi et qu'il faudra prendre en haute considération. Allez, on lance sur le canal Turf pour lequel je vous remercie d'ailleurs de votre fidélité. C'est parti. Samedi, prix des boucles de la Seine sur l'hippodrome de Saint-Cloud avec 16 concurrents au départ sur ce parcours 2600 mètres, un terrain qui devait être bon souple. Est-ce qu'on a des favoris en béton dans cette épreuve? Oui. Nous avons tout d'abord le numéro 15 Pretorio qui vient de faire une rentrée concluante et qui a réussi une performance de choix sur l'épreuve de Nord-sur-Erde où il avait battu un certain Mix in Mind. Mix in Mind, c'est un concurrent qui est pris en valeur 42-43 que l'on a vu remporter deux quintets cette année. Pretorio est pris en valeur 34,5, ça vous situe un petit peu ce concurrent qui est âgé de 6 ans. Il a tiré la corde 10, on devrait finir à l'extérieur, ce n'est pas un problème. Autrement dit, première chance. On va lui associer d'autres concurrents, à commencer par Rebel Lightning, le numéro 11. Rebel Lightning, vous le connaissez bien, il vient de terminer 3e d'un quintet sur l'hippodrome de Longchamp. Il devrait confirmer, pas de fausse note dans sa musique cette saison. C'est une très belle chance. Et ensuite, eh bien, on peut se tourner, parce que ces deux-là, c'est vraiment du sûr. Ensuite, on peut se tourner vers Bodied Sculpt, qui a plutôt très bien couru sur une distance similaire, alors qu'elle avait hérité d'un très mauvais numéro, le 18, tout à l'extérieur des stalles. Elle a bien conclu. Là, elle a la corde 4 sur ce parcours de 1600 mètres. C'est une belle chance. Et une quatrième base, si on devait en trouver une, pour prendre une troisième ou une quatrième place, c'est le numéro 13, Embajadores. Embajadores qui n'a sans doute pas de marge à ce niveau. Avec un peu de chance, il peut éventuellement monter sur le podium, mais en tout cas, c'est d'ores et déjà une base dans ce quintet. Allez, quatre bases. Le numéro 2, Body Sculpt. Le numéro 11, Rebel Lightning. Le numéro 13, Embajadores. Et attention, vous mettrez une pièce sur Pretorio. Vite fait, les autres concurrents de ce quintet avec Outbay qui vient de prendre 4 kilos de pénalisation pour sa dernière victoire. Ça va être beaucoup plus compliqué ici de peut ambitionner a priori qu'un accessit. Le 3, Sinbad, débute sur les hippodromes de Saint-Cloud. C'est pas un problème. Spécialiste à distance sur la montante. C'est une chance. On laisse de côté le 4, Saint-Poix. Le 5, Caetano Donizetti, qui aurait sans doute préféré une piste beaucoup plus lourde qu'elle ne sera. Ce qui vaut également pour le 6, l'Arnaud. Exotique, j'ai eu ce matin Didier Prodhomme qui me dit que la distance, c'est OK. Plutôt en bonne combinaison parce que le cheval a déjà fait son poil d'hiver. On laisse de côté Namajar, Copperbecht. Le 10, Mésidon, sera sans doute l'un des chevaux en vue, mais il est raccourci, compliqué sur sa distance de 2400 mètres. Bon numéro à la corde, c'est vous qui voyez. Le 12 Calaf, on laisse de côté. Le 14 Plaquefen, c'est l'entraînement de Nicolas Collery. Forme aléatoire, mais en valeur pure, le cheval a le droit de disputer l'arrivée. Et petite mention peut-être pour le numéro 16 Aprilios, qui lui aussi, je pense, aurait préféré une piste plus souple. N'oubliez pas, 4 bases. Rebel Lightning, le 11. Embajadores, le 13. Le 2 Body Sculpt. Et bien évidemment, on joue Pretorio.